le constater, nous sommes là devant les murs d'une institution aussi sacrée que celle de la mairie de Saint-Louis. Et comme on dit, ça c'est une preuve parlante. Hein? On a bien mis l'Union des élites saint-louisiennes pour Braillard. Et c'est bien signé Braillard. Donc voilà un acteur politique qui se déclare être candidat à la prochaine élection locale et qui se permet de salir les murs d'une institution sur laquelle on a investi plus de 150 millions. Je crois que là, vraiment, ce n'est pas sérieux et ça ne fait pas dans le civisme. Je pense que l'incivisme a atteint des proportions aujourd'hui qu'il faut décrier. Et les décrier ne suffit pas. Je pense que dès lundi, une plainte, n'est-ce pas, sera déposée chez le procureur pour que plus jamais de tels actes ne soient plus posés. Je pense que là, nous sommes vraiment dans la citoyenneté. Le débat ici, il n'est point politique. Nous sommes véritablement dans un débat citoyen. Et justement, la politique politicienne fait souvent des incursions dans des débats où elle n'a absolument rien à faire. Et là-dessus, je pense que les hommes politiques, tout comme les citoyens de cette ville, doivent prendre la pleine mesure de ces agissements pour que plus jamais Saint-Louis ne connaisse, n'est-ce pas, des trucs de ce genre qui n'honorent pas les Saint-Louisiens, qui n'honorent pas les politiques Saint-Louisiens. Mais heureusement que ceux qui travaillent sont différents de ceux-là qui détruisent. Et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à faire de Saint-Louis la commune la plus en avant, la plus en avance, n'est-ce pas, au niveau de la République du Sénégal. Et les Saint-Louisiens, en tout cas, tireront les conséquences pour que plus jamais, n'est-ce pas, de tels actes ne puissent se reproduire.